Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille sur trois jeux qui sont à peu près la même chose. Donc le premier jeu c'est Fuck Poutine. Alors non, vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec des trucs moins 18, enfin plus 18. Vous inquiétez pas, de toute façon je vais vous montrer. Hop, nouvelle map, commencez. Donc ce sera une vidéo très courte hein, sur trois jeux comme ça, du même type. Donc en gros, ok. En gros, pour résumer, nous avons un grand terrain, nous avons une arme comme ça, une arme de poing, et ce qui permet de nous faire apparaître Poutine. Donc, on va en faire apparaître quelques-uns. On peut même pisser si vous voulez, comme ça. En gros, pour résumer ces trois jeux, c'est un défouloir. Vous avez plein de trucs. Cette vidéo sera vraiment très courte, hein. Elle durera même pas, je pense, 10 minutes. Mais en gros, c'est pour vous faire montrer des jeux complètement cons et gratuits. En gros, par exemple, vous pouvez faire ça. Voilà, en gros, vous pouvez le torturer, vous pouvez leur tirer dessus, tout ça. Peut-être baisser un peu le son, moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Non, c'est ça. Par exemple, piston, tout ça. Et en gros, vous pouvez avoir un score, tout ça. Donc, c'est tout pour Fuck Poutine. Je vais vous retrouver pour Fuck Staline. Bon, bah, voici à quoi ressemble Fuck Staline. On va lancer une map. Donc là, on a toujours une AK. On a la LAF aussi, du coup. On a Staline. D'ailleurs, on a plusieurs variantes. J'ai oublié de vous montrer Poutine. Mais en gros, vous avez 6 variantes. Par exemple, Staline proxénète. Staline au gros ins. Putain, c'est ridicule. Staline démon. Bon, bah, ça doit être pas un défaut. Cyber Staline. Staline musclé. D'ailleurs, j'espère que cette vidéo ne va pas me rapporter des problèmes à YouTube. Oui! Ah, c'est vénère un peu. Mais en gros, vous avez le même principe. Comme je vous l'ai dit, ces jeux-là, c'est de la réputation, mais franchement, c'est vraiment sympa. Par exemple. Hop. Mais ce jeu, c'est un défouloir. En gros, c'est pour, entre guillemets, reprendre une... Bah, pour faire une vengeance, entre guillemets, sur ces dictateurs-là. C'est des jeux tout cons, mais franchement, c'est gratuit de toute façon, donc prenez-les, franchement, si vous voulez faire passer le temps, n'hésitez pas à aller dessus. Bref, on va se retrouver pour le dernier jeu de cette liste. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo sera vraiment très courte. Bref, à tout de suite. Et nous voilà sur le dernier jeu. Hop, comme d'hab, hein. Là, c'est une MP40. Ici, il y a une œuvre d'art. Pourquoi pas. Hitler. Oh. Bon, vous voyez que j'ai quand même pas mal joué à ce jeu-là à un moment. Quand vous regardez mon nombre de scores. Svastika, ouais. J'espère que je vais pas me faire ban par YouTube, hein. J'ai pas trop envie. Bon, on va dire que c'est un but humoristique. Bon, en tout cas, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Hein. C'est vraiment tout. Je vais m'écarter. Bref,
Comme vous voyez, c'est vraiment tout con, hein, mais c'est des jeux qui sont sympas, donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Moi, je vous retrouve à la prochaine. C'est Mleb, à plus!